pour l'exposition Pretty Vacant de Régional 14, Accélérateur de Particules a invité deux commissaires d'exposition, Sophie Lapalu et Anne Stouvenel, qui viennent de Paris. Et quand on leur a présenté le concept de Régional, elles ont halluciné et elles se sont posé la question, alors en voyant ces trois pays, Suisse, Allemagne, France, elles se sont posé la question de comment on peut distinguer un artiste suisse, un artiste allemand, un artiste français, et qu'est-ce qui fait qu'on est un artiste de telle nationalité ou un artiste de telle localité, enfin. Et elles ont souhaité construire une exposition sur le principe de l'in-situ, c'est-à-dire arriver à mesurer dans quelle mesure le contexte influe sur les œuvres. Donc on a cherché avec elles un lieu vide, et c'est pour ça que l'exposition se construit à la Villa Renata, à Bâle. Et voilà, donc on a 11 artistes, suisses, allemands, français, qui ont produit des œuvres exprès pour le lieu. C'est-à-dire que on a habité 5 jours sur place. Les commissaires, les artistes et les œuvres se sont construites au fil de cette période de 5 jours de partage, de réflexion commune. Et voilà, c'était très très intéressant.
Hi, I'm Wataru Murakami. I'm from Japan and I'm studying in Karlsruhe at the HFG Karlsruhe Media Arts. And I'm here in Basel, Villa Renata, and I'm presenting one work and three drawings. And it consists of a villa in Japan, and I'm converting a villa in Japan into this Villa Renata. And this is one of the shelves you see in Villa in Japan, and I reduced it 50% and installed it here. And you could see further about my work in my website if you search Wataru Murakami. And I hope you like my work. Thank you. My name is Omikaus, and here at Villa Renata I'm showing my piece Abstract Space Blue Comma Used. Additionally, there is a video downstairs, it's called Horrorwacken. Bonjour, je m'appelle Chisun Min, je suis venue de Strasbourg. En fait, dans cette exposition-là, j'aimerais bien créer une rencontre inattendue en renversant la place, etc. Et rencontre inattendue, c'est en révélant ce qu'on en a. Dans ce lieu aussi, en fait, j'ai présenté dans ce villa, il y a trois travaux. Premier, le château sable comme un souvenir, et la lumière d'arc-en-ciel au sous-sol, et petite figurine dans ce lieu-là, un peu partout. D'abord, le château sable, c'est imaginer ce souvenir, c'est une construction mentale, éphémère et en même temps éternelle, comme le sable. Et ramasser, soigner des sables pour ériger un sable, un château sable, ça reste un moment et ça va disparaître par exemple par le vent ou par le vague. Pour le prochain soulèvement, le sable qui reste pour le prochain soulèvement. C'est comme cette exposition, ça vient de Cresso, un peu partout, Strasbourg et l'artiste Ball. On s'est réunis ce lieu-là, monter une château sable. Ouais. Après, fin d'exposition, ça disparaît. Et peut-être pour le prochain expo ou prochain réunion. Et en tout cas, ces châteaux sables, ça reste instant, ça demeure le magnifique instant.